Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce gameplay commenté en direct avec le Takao. Donc on voit que je suis tier 8, j'ai fondu tier 10. En gros, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais, sinon ça va chauffer pour moi. Et il y a en plus un porte-avions en face. Midway. Oh purée, Midway. On va peut-être avoir de la chance. Ouais, je pars pas confiant pour le coup. Je ne pars pas confiant. Je pars vraiment pas confiant. Là, ça risque de chauffer assez vite pour moi. Mais enfin. Donc je suis avec le Takao, c'est comme la Tago mais en plus flashy. J'arrive pas à avoir le bon degré de zoom. Faut que je règle ma molette, hein. y a pas moyen. Voilà, donc il est sympa quand même. Puis quand il a l'avion. Mais enfin. Bon. On va tenter d'aller sur A. On va essayer de donner un coup de main au Shima. Que je participe au moins à la capture de la base. Voilà, j'ai détecté avec mon sonar. J'ai foiré mon premier jet. J'aurai pas les torpilles, j'ai pas le temps. Et il va brûler, il brûle, il brûle, il brûle. Ouais, mes torpilles toucheront pas, hein, mais dans le doute. Ouais, toucheront pas, toucheront pas. Allez, on bascule les canons de l'autre côté.
Voilà, je suis aimé. Hein. Je sais, je brûle. T'excites pas, ma petite. Ouh, ça peut piquer. Hop. Faut lui mettre tout. Allez, il faut le sortir aussi. Voilà. Ah, c'est un combat assez tendu. Ouais, j'ai fait peu de dégâts, mais ça a été tendu. J'ai reçu pas mal de tirs dans ma direction, les torpilles et compagnie. Hop, on va essayer de réorienter les tourelles, on va freiner. Hop, on va se mettre à l'arrêt par là, profiter de l'écran de fumée. Le Zao, qui est pas bien fringant non plus. Hop, un ours. Il y a les avions qui arrivent. Allez, c'est le moment de faire décoller la chasse. Je vais être pas trop loin du New Mex. Du Des Moines, pardon. Allez, on régène. Bon, ça se passe plutôt bien. Trop court. Allez, faut pas que je gâche ma bordée sur celui qui a peu de points. Voilà, un petit incendie des familles. Allez, faut que je change mes canons de côté. Change de direction. Il m'a vu. Voilà. On voit que les obus sont pas très rapides. Hein. Faut pas être pressé. Voilà. Je vais me refaire discret. Je vais attendre que mes canons soient tous orientés comme il faut.
Il y a le Midway, il y a le Des Moines, il y a le Zao, il y a tout qui se regroupe. En face, il y a encore un Curfur Saint-Chimor. Faut qu'on fasse gaffe. Hein. Le Rune qui va tout seul là-bas, il y a de fortes chances qu'il crève. Le Minotaur, il ne pourra sûrement pas beaucoup mieux. Notre porte-avions, pareil, est bien tout seul. Là, on peut perdre deux navires très facilement. J'ai choisi le moment où tirer. Il faut que je fasse gaffe, il y a des torpilles aussi, hein, le Zao. Pas manqué. Non, il faut peut-être pas espérer non plus que je reste comme ça tout le long. Normalement, il va être en boucle course, il peut pas m'atteindre. Là, on va se faire discret. Pas d'incendie, s'il te plaît. Ne surtout pas faire la bêtise de leur donner mes points de vie. On va repasser à la HE. On va avancer gentiment. Le Shima se retrouve tout seul. On va attendre que le Zao soit à nouveau redétecté. Moi, dans 38 secondes, je vais pouvoir avoir ma régène. Voilà, faut vraiment le sortir, faut en profiter. Le Zao, c'est une plaie. Ah, si peu, si peu, si peu, si peu. Non, 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 tu m'auras pas comme ça. Hop, on régène. On se fait petit. Le Zao est en mauvaise posture. Je veux pas gaspiller mes obus pour lui, il faut vraiment que je tire utile. Voilà, il a éteint l'incendie. Allez, recharge, recharge, recharge. Allez, fais plaisir à papa. Finis-le, finis-le, finis-le. Ah purée. C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. 56 000 points de dégâts. Sachant que j'étais lotière, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. C'est pas dégueu. Hein. Mais c'est pas exceptionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. D'accord, alors, une destruction, 77 coups obus, troisièmement, un incendie, on va essayer de regarder tout ça. Ouais, putain, il a assuré, les deux ont assuré, de toute façon, quand on dépasse les 2000 points, franchement, là, ils ont vraiment bien joué. On voit que le démoine Zao, l'autre Zao, il est où? Ouais. Oui, 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 oui.
Bon, bah oui, bah moi je suis dans la moyenne supérieure. Pas exceptionnel, sachant que j'étais vraiment le tiers. Un tier 8 face à du tier 10, c'est pas évident. Le Takao, c'est pas un navire des plus faciles non plus. Je pense que j'aurais pu faire mieux, c'est avec les torpilles sur le premier engagement. À chaud, là, comme ça, je pense que j'aurais pu faire mieux avec le premier engagement, clairement. Clairement, il y avait moyen de faire mieux que ce que j'ai fait. Mais bon, ouais, j'ai pas démérité, c'est pas non plus une mauvaise partie. Donc voilà, ouais, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sur le navire et le skip du commandant, vu que de tête je suis incapable de vous le dire. Donc c'est un commandant à 10 points. Donc cible prioritaire, oui. Rotation des tourelles, ouais, ça aurait pu valoir de mettre Adrenaline Rush. La poussée d'Adrenaline, ça oui. Oui, clairement oui. On gagne un slot en sonar, en avion et en. Et dissimu, oui. Oui, là je reviens pas dessus, c'est. Ouais, il y a juste ce choix-là. J'aurais peut-être. Je pourrais peut-être mettre poussée d'adrénaline, ça vaudrait peut-être plus le coup. Ensuite, on voit que j'ai mis l'appareil à gouverner pour être plus manœuvrant. Ça peut permettre d'échapper plus facilement au tir. Réduction, ça oui. Bon après là c'est du grand classique. Ouais, allez. Autant mettre le premium. Voilà, donc après c'est du classique, hein, c'est du Takao, Atago. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon Atago d'ailleurs? Je vais faire pareil. On voit, oui, c'est tout pareil, c'est juste que j'ai un commandant à 7 points. Ouais, j'ai pas la dissimulation encore. Ouais, là ça pourrait voir le coup, c'est que je fasse sauter la rotation des tourelles. Et que je mette à pousser d'adrénaline. Mais bon, à débattre. C'est vrai que les tourelles sont lentes sur le Takao Atago. Ça vaut le coup. C'est des tourelles japonaises, de croiseurs japonais. Donc oui, ça vaut le coup. Allez, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao les amis.